Chacun a sa passion, les films, la danse, le chant, le sport. Bon bah moi, vous avez compris, ma passion, c'est le football. C'est pas vrai, c'est le dessin. Plus jeune, j'ai touché à tout ce qui touchait de près ou de loin au dessin. De la BD, de l'acrylique, du crayon de couleur, des post-it, des pochoirs, sur des photos, sur des casquettes, des paper toys, des art toys, des stickers, des découpages. Bref, dès qu'il y avait un endroit vide, il fallait que je le comble avec des dessins. Et des passions que tu peux partager, hein, la danse à plusieurs, c'est bien, le football à plusieurs, c'est mieux, le dessin à plusieurs, c'est pas... Oh, hier soir, j'ouvre la fenêtre, et y a un pigeon qui rentre juste... Je suis en train de faire mon ancrage, tu me déconcentres. Vous êtes pas capable de travailler individuellement, mais en groupe. Là, ça me fait plaisir de vous inviter, les mecs. Bon bah je m'en rends compte, j'adore dessiner, mais je le sais, c'est pas une passion qui est très waouh quoi. Et comme ça, face à ta feuille... C'est pas une passion qui va t'aider à pécho, par exemple. Y a des passions qui marchent beaucoup mieux pour ça. T'as un super coup de crayon. Merci. 45 minutes plus tard. Écoute, ça t'ennuie si je couche avec le mec là-bas plutôt. Non, pas de soucis. Je passe à l'ancrage, moi. Où est ma gomme? Regarde-moi bien dans les yeux. Je crois que j'ai pas de ma gomme. Le dessin, c'est une passion qui peut arriver super tôt. Hein. Tous les gamins ont pris des crayolas pour gribouiller sur des feuilles. Bah, du coup, face à des passions du genre le bricolage ou le saut en parachute qui font vraiment très adultes, le dessin, ça fait assez enfantin. Ah, mais moi, la politique, je peux en parler pendant des heures. On veut plus l'arrêter. Ah oui, la politique, c'est ma passion. Et toi, Cyprien, quelle est ta passion? Le dessin? Le dessin, tu as dit? Oui, le dessin, mais j'aime aussi la politique. Tu ne réponds pas aux adultes, c'est clair? C'est vrai, j'aime bien la politique. C'est rien, tu files dans ta chambre! Calme-toi. De suite! Monte dans ta chambre. Comme je dessine tout le temps, j'ai pris l'option art plastique au lycée et j'ai croisé de tous les genres dans ma classe. Hein. Ceux qui dessinent des bonhommes, voilà, j'en fais partie. Ceux qui sont un petit peu plus poussés, qui vont faire des petites peintures à l'huile, tout ça. Et ceux qu'on a totalement perdus. Ouais, sympa tes dessins, mais moi je vais trouver une grosse branche de bois dans la forêt, je vais coller des bouts de verre et du métal et des yeux découpés dans les magazines dessus pour faire une œuvre comme ça qui dénonce l'impact de l'homme sur l'écologie. Mais ça, tu peux pas comprendre. C'est un truc de... Ouais, toi, c'est des bonhommes, quoi. Tous les ans, dans ma classe, j'ai eu un mec qui a fait une peinture avec son propre sang. C'est pour mettre de la souffrance dans mon œuvre, pour mettre une part de moi-même, mon ADN. C'est pour chercher la vérité dans le mensonge. Ils se sont coupés pour finalement faire une peinture marron. Parce que oui, hein, le sang sur du papier, ça devient marron. Les couleurs sont fades parce que c'est extrêmement liquide. Ça pue et c'est extrêmement dangereux. Top idée. Archibald nous a quittés tragiquement. Après avoir contracté le tétanos suite à une coupure non maîtrisée. Il a eu 11 sur 20. J'ai eu son prof au téléphone, les couleurs sont fades et ça pue dans la classe. Repose en paix, Archibald. C'est important d'avoir l'avis des autres sur ses dessins, des compliments, comme des critiques positives ou négatives. Et puis parfois, t'as des phrases, tu sais pas trop comment les prendre. Franchement, t'as trop de la chance de bien savoir dessiner. Bah, merci. Mais oui. Tu sais dessiner, toi? Je sais pas. Toi? Je sais pas non plus. Viens, fais un bonhomme. Fais un bonhomme. Ouais. Et un. Non. Moi, je viens juste de... Oh, la chance! C'est trop cool! Oh, j'ai trop de la chance! Mais ça t'es vu comme ça? Oh, la chance! Tellement chanceux! Aucun travail que de la chance! Le mec le plus chanceux sur Terre, il s'agit clairement de chance! Bon, j'avoue, nous, les dessinateurs, on a un petit tic énervant. Quand les gens cherchent un jeu de société, on propose toujours un Pictionary. Voilà, je l'avoue, je le confesse, je suis désolé. Un legging? Un iPhone 1? Ah, mais ah, c'est fini! Ah, non. C'est dommage! Dommage! Mince. Ah mince! D'avoir un chat dans la gorge. Un chat dans la... C'est pas clair. Ouais, parce y a pas, déjà, y a pas de chat, y a pas d'animal. Il aurait fallu dessiner un chat, quoi, du coup. Monter sur ses grands chevaux? Ouais! Allez! Non, vous savez quoi, on va faire un Monopoly comme vous avez dit. Mais non! Non, t'as dit Pictionary, on va faire Pictionary! Mais on s'amuse bien là! La tectonique. Kinvé? Les mailles dentaires. Une chaise. Ah non, bah c'est pas une chaise. Tu peux pas dire c'est une chaise. Dissoudre l'Assemblée nationale? Oui. N'empêche, tout le monde a déjà dessiné au moins une fois dans sa vie, au moins quand t'es gamin, avec tes crayons de couleur, fallait pas déborder. Je dirais même que ceux de ma génération, on a tous dessiné au moins deux fois dans sa vie, une fois quand t'es gamin. Et une fois quand t'as eu ton premier ordinateur. Regarde mon fils, je t'ai acheté un ordinateur personnel. Oh regarde, il y a Paint. C'est donc ça le dessin numérique? Eh ben c'est vraiment de la merde. Mais attends... Je le ramène au magasin, j'en fous. Non. Le dessin c'est une passion qui est assez dure pour en faire son métier. Voilà, il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance pour réussir à vivre de la BD, du graphisme. Et puis il y a des métiers où il y a du dessin. Mais par contre, on oublie la passion. Il avait aussi un visage un peu carré, il portait un bonnet, et il avait des cheveux courts, blonds. Ok, c'est bon, j'ai terminé son portrait robot. J'adore le manga.
Voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de ma passion. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le dessin, j'ai fait une petite vidéo bonus en lien à la fin de la vidéo ou dans la description où je donne des petites astuces pour dessiner ces cadeaux. Et on n'a pas oublié l'objectif 10 millions d'abonnés. On arrive très très bientôt aux 10 millions d'abonnés. Bon, en vrai, vous avez déjà dépassé les 10 millions d'abonnés. Merci beaucoup, c'est arrivé beaucoup trop vite. Et je vous prépare une vidéo spéciale pour ça. Alors, je vous dis à très vite sur Internet. Je suis fichu.